Bonsoir, Wesmoy. Vous savez, non? C'est un plaisir avec nous aujourd'hui. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Salut tout le monde, salut. Martine Lavalas, bonsoir. Heureusement, on va aller à la gueule, non? Philippe, Bossa, bon bagaille. Guerrier, guerrier. Bossa, moi, yo. Stéphane, Siméon. Bossa tout le temps. Jude Noël, Bossa, regarde-le. Comment nous vieillons, comment nous vieillons? Casales! Ça va faire Casal. Vous l'avez fait pour ça, Aven. Ça va faire tout le monde. Moi salue, madame. Ousmane. Ma potel pour Montréal. Mes chers amis, vous saluez nous, vous salement, et c'est un privilège encore pour moi avec nous aujourd'hui, hein, là. On me dit ça, moi invité au Cher Live, là. Je dis, ça qui inspire, moi, pour me parler de lui, c'est non seulement parler, mais aussi m'écrire sur lui. On va faire une mise en contexte d'abord. On va parler du dossier Lucner Désir, que Luco Désir qui fait une déclaration qui suscitait une déclaration capable de qualifier de controversée, qui suscitait diverses réactions au niveau de société haïtienne. Maintenant, déclaration ça, en quelque sorte, Luco Désir fait lire en tant qu'un grand journaliste, un journaliste qui animait l'émission Matin Débat. Et monsieur, pendant lire en l'air, en direct, il fait déclaration ça. Et maintenant, le problème qui posait, c'est que il y a plus de monde qui m'a dit qu'ils ont bossé. Parce que, camarades là, les recevoir invitation de la part du commissaire du gouvernement pour la répondre de ses propos. Maintenant, un peu de monde qui m'a dit, est-ce que, comment me comprendre? Situation. Et avant d'aller plus loin avec nous, on va faire nous tendre des déclarations de Luco Désir. Et puis, on va lire pour nous un article que m'écrit sur question. Et à la, on va analyser l'article ça pour nous. Et je vais faire nous comprendre position, moi, par rapport avec
par rapport avec situation ça. Ben, nous t'en dit le co-désir en quelque sorte qui va l'intervenir en direct étant des déclarations monsieur Féa et déclaration ça en pile monde trouvé que monsieur fait une dérive en déclaration ça. Nous va l'entendre le co-désir. Côté bon bien bon mal. Côté bon mal, je dois sur la matin de bas. Côté bon bien bon mal. Côté bon mal, bon bien. Ou là, même matin. Oui, c'est la loi de la nature des choses. Tout ça qui existe, qui est opposé. Monsieur Gagnon, c'est le mal absolu. Vous d'accord? Mais bon bien, le niveau Gagnon, on dit bien, c'est quelque chose qui a, monsieur, Gagnon, bah, mon travail. T'as des sages, c'est ça, une bradoule. Chaque jeune garçon, qui vous l'avez lui-même. Du coup, on liste de jeunes garçons. Et chaque jeune garçon touchait minimum 15 000 gouttes par semaine. Parce que justement, l'État. Sauf fait de mesdames qui couchent avec un autre. Ah bon? Vous entendez? Maintenant, nous voyons un débat, en quelque sorte, qui était animé. Le co-désir, en quelque sorte, fait comprendre que activité gang, soit activité complètement, son mal absolu. Et nous, sous panel là, gros problème, il n'est pas d'accord avec logique. Monsieur. Maintenant, ça t'a intrigué, en quelque sorte. En tant que philosophe d'abord, ça t'a intrigué, moi. Et puis, mal entendu le lien, mal analysé lui. Et puis, il me dit, bon, moi, grand pile agitation qu'a fait, il me dit, bon, moi-même, je vais avoir une position par là à l'écrit. Pour quelle raison? Permettez-moi, mes chers amis, moi, écrit un article en français. Maintenant, pour quelle raison m'écris un article en français? Eh bien, si je connais, je vais vivre dans une société zizi. Ok? Je vais vivre dans une société zizi. Depuis, en quelque sorte, ou pas écrit en bagaille en français, il n'y a pas de valeur. Maintenant, je prends mon petit temps pour me réfléchir et essayer de faire de façon équilibrée. Je vais partager l'article là avec nous. Et puis nous-mêmes, on a tiré conclusion par nous par rapport avec l'article là que je vais montrer nous là. Et mes articles m'écrivent, ok? So, mais tu l'as lu comme ça.
Liberté d'expression et activité criminelle, une équation complexe, le cas du journaliste Luckner Désir, alias Loco. Je commence pour me dire que le journalisme de l'émission Matin Débat, en plein air, a récemment fait valoir que l'activité de gangster en Haïti, bien que criminelle, crée toutefois de l'emploi pour les jeunes au chômage, exposés à la vulnérabilité économique d'un pays sous-développé. Propos en effet qui a suscité des réactions quelque peu mitigées dans la société haïtienne, où l'activité des gangsters, considérée par la plupart comme criminelle, est destructive et destructrice. À la question, le journalisme peut-il être poursuivi par la justice pour ses propos? Certains pensent que le journaliste doit être poursuivi par la justice et d'autres soutiennent l'inverse. Il y a quelqu'un qui dit me faire un petit bac. Ok, me fait le petit bac pour nous. Mais spirez-nous là. Ok. C'est un débat aussi vieux que le temps qui, bien qu'il ait pris de nombreuses formes, reste un enjeu central de notre société. La liberté d'expression a-t-elle des limites? Et si oui, où les plaçons-nous? La question se pose d'autant plus aujourd'hui à l'ère d'Internet où les mots et les idées de chacun peuvent être partagés et se propager à une vitesse sans précédent. Ici, notre démarche consiste à présenter les arguments juridiques, moraux, philosophique et même scientifique pour mieux étayer le débat autour de la problématique soulevée. Écoutez bien, on va pas avancer. Argument juridique. Juridiquement, la liberté d'expression est un droit fondamentalement protégé par la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Dans certains pays comme la France, la loi punit certaines formes d'expression, notamment les citations à la haine ou à la violence, la diffamation et le discours discriminatoire. Quelle qualification juridique pour les propos du journaliste au regard de la loi haïtienne? Il faut souligner ici que le journaliste, en l'occurrence Loco Désir, ne semble pas encourager l'activité criminelle. Il ne fait que présenter un point de vue controversé, certes, mais non haineux ou violent. Et si peut-on affirmer juridiquement, il peut être poursuivi pour ses propos. L'argument moral. Maintenant, voyons l'argument moral. S'opposer à l'activité des gangsters est une position morale largement acceptée par la majorité de nos concitoyens. Cependant, dans une perspective relative, la criminalité peut être perçue différemment. Pour les jeunes marginalisés, la filiation des gangs offre une forme de subsistance. Et c'est ça, monsieur, était avancé. Pour les jeunes marginalisés, dans la société, dans le contexte socio-économique généralisé du pays, surtout dans le contexte dictature, ok? L'affiliation des gangs offre une forme de subsistance, même si celle-ci est entachée par la criminalité. Dans les pays sous-développés tels que Haïti, où la corruption et l'inégalité sont souvent la norme, la criminalité peut apparaître comme le moindre mal. Selon Baumer, alors j'ai cité Baumer, les gangs urbains dans les pays sous-développés, représentent une forme de capital social. Maintenant, faites attention, pour les jeunes marginalisés. Ça, c'est Baumer. Alors, j'ai m'obligé à citer Baumer en 2008, ok, qui écrit un livre, côté lui, dit que les gangs urbains dans les pays sous-développés, par exemple dans le cas d'Haïti, ils représentaient une forme de capital social
pour jeunes marginalisés. Alors nous comprenons ici, Louko Désir n'est pas le seul à prendre cette position. Genèg avant Louko Désir, des intellectuels qui ont aidé, qui étaient déjà penchés sur le problème ça. Il offre non seulement des opportunités économiques, Baumea continue toujours, il dit, non seulement il offre des opportunités économiques, mais aussi une certaine forme d'appartenance sociale, de protection et de statut. C'est-à-dire que, si la cité Baumea en dit en 2008, nous capables aussi dit que, bien entendu que, Louko Désir n'est pas le premier, en quelque sorte, à soulever la problématique de questions activité gang en dedans dans pays sous-développé. Ceci dit, la vulnérabilité économique peut éventuellement pousser les jeunes à rejoindre ces organisations criminelles comme une forme de suivi. En réalité, c'est la thèse avancée par Louko Désir. Mais où qu'on est, peut-être que Louko Désir, pas Jean Liboer, Baumea, peut-être que Louko Désir pas Jean gain accès avec Baumea. Maintenant, j'ai donné la référence ici. Maintenant, les allers pour le dire, toutefois, reconnaître les aspects économiques positifs de l'activité criminelle ne revient pas à minimiser son impact néfaste sur l'individu et sur la société. Maintenant, faut nous comprendre mieux. Ça, c'est aspect moral là, que me fait référence à Baumea pour montrer que, dans l'aspect moral là, bien que Jean-Louis Codésir de Dylan, activité gang dans son mal absolu, mais il n'en disconvient pas que activité gang ça, lui paraît, lui présentait en quelque sorte des opportunités économiques. Et c'est ça, monsieur Dédi. Pour des jeunes qui, en situation vulnérable et marginalisée, pour être capable de jouer un certain statut en dedans société. Maintenant, on entre dans l'argument philosophique, là. Que me développer. Mais avant c'est l'argument philosophique, là, moi dit dans certaines régions, la criminalité organisée représente l'une des rares façons de survivre. D'ailleurs, dans certaines régions. Maintenant, j'ai dit dans certaines régions, c'est une façon de généraliser et de faire une spécificité en ce qui a trait à notre situation dans le cadre d'un pays sous-développé tel que Haïti. C'est-à-dire que c'est-à-dire de satisfaire ses besoins fondamentaux de nourrir, d'abri et de vêtements. Maintenant, les auteurs, en quelque sorte, qui ont élaboré et rédigé Texa, livre ça, c'est Jacob, Bruce et Robin qui écrit sur un livre écrit Robin Drug Dealers en 2000. Alors nous remarquons, nous sommes Baumea. T'es écrit lui-même en 2008. Maintenant, depuis 2000, en quelque sorte, philosophiquement parlant, Jacob et Bruce t'es étant penchés sur la problématique philosophique de la criminalité organisée, en quelque sorte, en aidant les pays sous-développés. Yo avance, yo dit, les individus peuvent choisir de travailler pour des gangs criminels, non pas par choix, mais par nécessité absolue. Maintenant, vous savez, quand on parle de nécessité absolue, c'est en effet une démarche philosophique. C'est nécessité, en fait, c'est une forme de déterminisme, ok, par rapport avec la libre arbitre. Maintenant, faites attention, il faut être un philosophe pour comprendre la réflexion philosophique avancée par Jacob et Bruce. Et là, dans le cadre que Nego a préparé là, niveau de réflexion Nego, c'est dans le cadre de la philosophie en posant la nécessité absolue comme contrainte et comme déterministe pour, en quelque sorte, expliquer et justifier le fait que des jeunes gens exposés vulnérables n'avaient pas le choix, en quelque sorte. C'est une façon de mitiger d'atténuer le libre arbitre à l'intérieur d'une société qui, en quelque sorte, a fait face avec une forme de criminalité quelconque, telle que gang nous gagne dans le pays d'Haïti. Monsieur Avancel, il dit que l'éthique de la liberté d'expression peut être analysée à travers l'optique du marché des idées de John Stuart Mill.
Effectivement, John Swalmi, en quelque sorte, monsieur a avancé ça parce que monsieur était un utilitariste. Monsieur, il appartenait à ce courant philosophique des années 70 et 80 aux États-Unis qui développait en quelque sorte cette conception, une vision utilitariste de la société et de l'économie. Maintenant, qui ça, monsieur dit, selon Mill, chaque idée, même controversée, a le droit d'être entendue quand cela permet de tester sa validité. Ça, monsieur a avancé là philosophiquement pour le dire. L'opinion avancée, le point de vue avancé par Louko Désir, bien que l'y controversé, bien que l'y fait moun, l'y pas, l'y pas problème dans la société, hein, mais l'y dit que l'y, c'est un droit que l'y gagne pour tout moun tende opinion, monsieur, parce que faut yo tester, faut yo mettre à tester pour yo valider. Et en effet, c'est ce qu'a fait Louko Désir. Louko Désir, en quelque sorte, li exprime point de vue li, ou qui doit d'accord ou qui doit pas d'accord, mais il ne disconvient pas qu'il a le droit de l'exprimer. Il a le droit, c'est le droit qu'il a. Maintenant, l'orientation et la validation de ses propos, li peut être fait d'objet de discours, de débat, mais il ne disconvient pas que propos monsieur a, c'est un droit que le gain pour l'exprimer en ce thème. Cette notion, en quelque sorte, pourrait être appliquée ici dans le cas du journalisme haïtien. John Stuart Mill ajoute, le bonheur est le seul but de l'humanité. Maintenant, dans ce contexte, est-ce que nous pourrons dire que, et, si monsieur, c'est bonheur, il a cherché, là, il a intégré gang pour être capable, en quelque sorte, répondre avec besoin. Ok? Alors, on parle, ouais, que, il va faire l'objet du débat, pour qui raison? Il avance, il dit, si l'acte de gangstérisme contribue au bien-être global de ces jeunes sans emploi, peut-on vraiment le condamner moralement? C'est ça, nous t'avons démontré en l'air. Certes, on ne doit pas ignorer les souffrances causées par ces activités. Exactement. Faut nous pas ignorer, fermer les yeux sur le fait que l'activité gang dans la société haïtienne, non, lui cause un pile dégâts, un pile dommages. Mais, si l'on considère que les gains obtenus surmontent les dommages causés, une telle évaluation commence à se compliquer. Effectivement, c'est là nous trouver, nous, par rapport avec ces jeunes gens, ok, qui pas gain travail nan men yo, société a livré ou a dit men yo, il est vrai que nous prêts pour nous faire une des morales, li prêts pour nous faire une morale pour nous dire pas de prendre zam, nous pour dire aussi si c'est là, mais en aucun cas, nous pas réfléchir sur les causes, les raisons qui poussent yo à l'entrée dans gang nan. Et c'est tout le problème que Louko soulevé, et en pile moun a fait hypocrisie, jouer rôle moral, nous, tout moun nou cap jouer rôle moral, c'est parce que en quelque sorte, yo gon job nan men yo, système nan faveur. Il faut pas, moi-même, c'est là que je vais montrer nous, même scientifiquement, vous pouvez voir que les problématiques, je vais montrer nos arguments scientifiques. Là. Scientifiquement, des études ont démontré qu'il y a une corrélation entre le chômage chez les jeunes et l'augmentation de la criminalité. Et pas moi dire, ce sont des études qui ont été réalisées et qui ça étude ça au conclu? Ok? Qui ça étude ça au conclu? Yo conclu que il y a bien entendu une corrélation entre le chômage chez les jeunes et l'augmentation de la criminalité. Et ceci même dans les pays les plus développés tels que les États-Unis, la France, les pays occidentaux les plus avancés. Le chercheur, en quelque sorte, Robert Sampson, a mené une étude sur le rôle de la criminalité organisée dans l'emploi des jeunes. Ok? Maintenant, monsieur écrit un livre, Create Crime and Public Policy. Monsieur écrit en 1995. Il a découvert, en quelque sorte, Robert, il a découvert que dans certaines régions où le chômage est élevé et l'éducation formelle est limitée, attendez, ça monsieur dit oui, les activités criminelles peuvent créer des emplois pour les jeunes qui ne trouvent pas d'autres moyens de subsistance. Monsieur, qui ça, monsieur?
Écoutez, en 1995, monsieur a écrit un livre, il y aurait les Crime and Public Policy. Il y aurait les monsieur Samson Joseph. Samson avec Joseph, attendez bien. Monsieur a découvert, dans la recherche, que depuis ces pays, côté que moun pap travail là dans jeune yo pap travail là dans ni OK et pas gon éducation formelle qui fait pour jeunes sa yo c'est normal que activité criminelle en dedans société ça li augmenter et li vinn tourner en sorte de opportunité pour jeunes yo capable travailler et répondre à besoin et pas moi qui dit et pas moi qui dit maintenant attendez. Parce que c'est facile pour nous faire moral, moun di, moun si si. Mais nous pas lire, nous pas parler l'école, nous pas former tête nous. Ben, vous nous faites la morale, c'est bien. Mais il faut poser les bonnes questions. Il faut poser les vraies questions. Il suffit pas de spéculer, faire morale sur un phénomène. Mais il faut chercher les causes. Allez poser les vraies questions. Maintenant, du point de vue sociologique, l'adoption de comportements déviants est souvent une réponse à des pressions structurelles. Aïe, aïe, aïe. Selon la théorie de l'anomie de Robert Merton, Robert Merton qui a écrit là, oui, monsieur a écrit une théorie, il aurait la théorie de l'anomie. L'anomie, ici, vous l'avez dit, petit monde qui parle, ça, les lois. Nomie vient de normes, de lois, ok, nomos. Maintenant, il dit comment problème pour petit monde, ou bien pour jeunes qui entrent tête dans la criminalité. Les personnes qui ont peu ou pas d'accès à des moyens légitimes d'atteindre les objectifs sociétaux peuvent se tourner vers des moyens illégitimes tels que la criminalité. Tenez ça, Robert Merton dit. D'après la théorie de l'anomie. Monsieur dit que ça, moun en réalité non société qui n'a pas accès à des moyens légitimes que société ça t'a supposé mettre à disposition de moun ça pour l'arriver à atteindre objectif li rêve li dream ni moun ça li capable tourner vers des activités illégitimes et même criminelles en dedans société ça et nous va attendre en avancer dans le contexte économique. Une étude également a montré que la criminalité organisée génère une croissance économique informelle dans certains pays en développement. Et pas moi qui dis, c'est un grand auteur, y aurait les Pinotti, pas Pinotti qui écrit, qui dit, lui dit, et livre monsieur écrit, il relève The Economic Cost of Organized Crime, evidence from Southern Italy 2015. Monsieur écrit un livre en 2015, il fait une étude de cas sur le crime organisé pour garder le coût économique, ok, de crimes organisés dans le sud de l'Italie. Et monsieur, ouais, en quelque sorte, que crime organisé, il a généré une croissance informelle dans le pays Saoud. Italie, oui, monsieur, t'as l'étudié. Et c'est un cas en Italie, oui, et ben, dans Haïti, pays sous-développé, non? En avancé. Bien que n'étant pas idéal, bien entendu, ces activités fournissent des moyens de survie à des individus qui autrement resteraient sans emploi et sans ressources. Vous donnez ça, monsieur dit? Il dit, même les, en réalité, activités criminelles gangs, y'a pas légitime, y'a pas légal, y'a pas acceptable, en dit dans la société, y'a. Il dit, il ne disconvient pas que ces activités fournissent des moyens de survie à des individus qui autrement resteraient sans emploi et sans ressources. Quand on va dire, on est un coupinoti, c'est défendre l'activité criminelle. Et pas vrai. Son analyse scientifique, monsieur a fait. Son étude scientifique, monsieur a démontré. Monsieur a entraîné une démarche scientifique. J'aime qu'on est nous à Haïti, nous avons une folie intellectuelle. Nous aimons faire bruit, mais quand il s'agit de grands débats intellectuels pour argumenter philosophiquement, pour argumenter moralement, pour argumenter politiquement, pour argumenter juridiquement, pour argumenter et scientifiquement, tout n'est pas les mondes. Maintenant, vous voyez monter
Depuis c'est pour voir et monter tout nèg fort dans voir et monter pour faire moral moun. Mais quand il s'agit d'argumentation, démonstration, vient avec des données, des arguments pour soutenir position avec tes ou tout moun bébé. Et d'ailleurs, c'est ça arrivé camarade là, yo relé Louko Désir qui fait journée jodi a yo traîné devant tribunal. De plus, en avancé, il a trouvé que dans des régions économiquement faibles sont plus susceptibles d'avoir un taux de criminalité élevé. Effectivement, c'est normal pour nous, un pays sous-développé économiquement tant qu'Haïti. C'est normal pour gang à gréganer. C'est normal pour gang à gréganer. Cependant, justifier cette criminalité par le but de création d'emplois est un argument fallacieux. T'as bien. Maintenant, c'est la question fondamentale. Ou pas qu'à justifier gang en dedans pays d'Haïti, parce que gang nan activité son activité criminelle liée, et la fait plus tort à société à que bien. Maintenant, ou pas qu'à justifier parce que l'a créé emploi. C'est un argument fallacieux que lié. Enfin, il est important de souligner l'étude de Robert Muga sur les effets de la criminalité organisée sur la pauvreté. Monsieur écrit un livre, il est Researching the Urban Dilemma of Urbanization, Poverty and Violence en 2012. Monsieur souligne, qui ça dit? Il souligne que la criminalité organisée dans certaines régions peut parfois offrir des opportunités d'emploi pour les jeunes qui n'ont pas d'autres à cause de l'absence d'éducation et d'emploi formel. Voilà. Depuis pas gagné job pour jeune yo, depuis pas gagné bonne éducation, c'est normal ou après que crime organisé pour le tourner yon sous emploi en dedans pays a. Maintenant j'ai terminé, me conclure pour conclure, bien que les activités de gangsters soient indéniablement immorales et criminelles, elles peuvent néanmoins créer un échappatoire aux conditions économiques défavorables et offrir des opportunités d'emploi dans certains contextes. La réalité des jeunes est marquée par l'exclusion, la détresse, la vulnérabilité économique, surtout dans le contexte haïtien. Avant de juger leur choix, c'est-à-dire choix de monsieur ça pour intégrer gang, il faut d'abord tenter de comprendre les conditions qui les ont poussés vers cette voie. Ni plus facile pour nous faire moral gang yo, jeune qui rentre dans gang, ni plus facile pour nous corriger yo, porter un jugement, oui moral yo, mais cependant, il serait bien nous-mêmes qui sommes les têtes intellectuelles qu'à l'école qui éduquer, il serait beaucoup plus intéressant d'essayer de comprendre les conditions qui ont poussé ces jeunes d'abord à intégrer bagage yo. C'est-à-dire que plus facile pour courir condamner, pour juger, OK, jeune ça, mais ou pas poser cette question, comment fait toute jeune ça au cou, y'a le poté tête bourré comme ça en dedans gang. Mais il y a une raison, il y a une explication. Il faut penser et réfléchir sur les conditions qui ont poussé ces jeunes à prendre cette voie. Maintenant, nous tellement rien fait faire moral, moun, les pieds à l'aise pour nous courir faire moral. On a le voici. Oui, mon aspect moral là, bon, mais cependant, faut nous faire la part des choses. Il s'agit plutôt de décrire, attendez, oui. Attention, il ne suffit pas, ok, que nous approuvons ou acceptables ces activités. Il s'agit plutôt de décrire une situation sociale et économique complexe qui demande une solution en profondeur pour résoudre le problème de la pauvreté et du chômage. Voilà. Aïe, mon cap réfléchi. Ouais, moi, m'bakou, y'a l'envoi et monte, fait caca. M'bakou, y'a le vincou, et ceci, c'est là. Et puis, j'ai conclu pour dire que le journaliste, malgré la controverse et le potentiel dommage moral de ses propos, je veux faire référence ici à journaliste Louko Désir, est protégé par le droit de la liberté d'expression. Être tenu responsable juridiquement nécessiterait une incitation directe à la violence ou à la haine qui n'est pas présente ici. Et d'ailleurs, néanmoins, je souligne que néanmoins, la liberté d'expression ne devra pas être
et ne devra pas être une excuse pour ignorer les implications éthiques, sociales, économiques de nos propos. Voilà la conclusion que j'ai tirée. Et à partir de là, j'ai donné les sources et les références, bibliographie, pour nous capables à le consulter en quelque sorte et sous ça pour nous faire tirer conclusion par nous. Maintenant, mes chers amis, pour quelle raison moi écrit article ça? Nous connaissons pas stylement parce que moi-même je n'ai qu'à promouvoir langue créole. Nous ne connaissons pas stylement pour que raison m'écrit article en français. Mais ce qui tête maintenant demain ça, c'est pour me capable adresser aux petits aliénés de la classe moyenne. Qui toujours prêts pour y abondir, pour venir parler dans un dossier que vous va maîtriser. Je ne veux pas être un défenseur de Louko Désir. Louko Désir a fait activité lui. Faut monsieur camper le bagage. Maintenant, je veux nous voulons que nous conscients d'une réalité en dedans pays à que nous pas qu'à échapper. Maintenant, réfléchir sur la problématique de cette activité criminelle que auraient les gangs en dedans pays à, c'est aussi, en quelque sorte, réfléchir sur les conditions socio-économiques, politiques et sociales en dedans pays à, qui occasionnaient phénomène gang en dedans pays d'Haïti. Maintenant, écoutez, et c'est toute la problématique là où nèg la rif et limité dans réflexion, dans analyse li, dans démarche li. Les nèg yo limité, m di nou, m toujours di nou ça, m après di nou encore et m'a toujours redil. Nèg ou tan dore l'intellectuel en dedans pays d'Haïti son dal net en quelque sorte qui limité. Limité dans méthodologie, yo limité dans capacité d'analyse, de réflexion, d'argumentation, de démonstration. Yo limité. Quand j'ai dit limité, je suis clair là-dessus. Ou après, nèg sa toujours prêt pour yo paraître, pour yo dire, ok, moi pas d'accord. Mais avancer pour qui raison pas d'accord, yo pas capable. Mon chien pas d'accord à Sordia, pas d'accord à Louko Désir. Mais écoutez, ou pas qu'à courir ou dire pas d'accord, non? C'est pas l'attitude d'un intellectuel, ni de savant, non? Moun kale l'école, pas courir, j'ose dire, pas d'accord, non? Il faut faut dire pour qui raison pas d'accord. Il faut venir avec des arguments, avec des faits, avec des données, pour supporter et étayer les raisons pour lesquelles que pas d'accord à Louko Désir. De même aussi, sous d'accord avec Louko Désir, faut ou même ou venir avec des arguments, des données, ok? OK, pour démontrer supporter tes ou qui dit bon bon OK d'accord. Maintenant, pour un esprit équilibré comme le mien, m'a ni pour ni contre. J'essaie en quelque sorte d'écrire le discours, la position des deux camps dans un contexte, OK, socio-économique, politique et culturel beaucoup plus global. C'est ça je suis, c'est peut-être ça où moi pour une formation, je forme même en tant qu'un marxiste. C'est-à-dire, dans la méthodologie marxiste, au lieu de montrer nos démarches individualistes, ok, pour m'adresser directement à Louko Désir, au lieu de montrer nos démarches individualistes et même dualistes pour moi, pour et contre, maintenant, je m'inscris dans une démarche beaucoup plus holistique pour me capable d'essayer de comprendre, analyser ce phénomène à la lumière des conditions socio-économiques, culturelles qui ont occasionné ce phénomène que auraient les gangs. Maintenant, il faut comprendre que ce phénomène de gang, c'est pas un phénomène qui est typiquement Haïti. Même les grands pays développés, tels que les États-Unis et l'Europe, ils ont fait aussi face avec cette forme de crime organisé qu'est le gang. Maintenant, les mesures de sécurité, les mesures de politique publique qui ont été prises de façon à combattre et lutter contre phénomènes à les gangs ou bien crimes organisés, sont des bagages extraordinaires qui expliquaient en quelque sorte à travers la présence, la manifestation d'un État fort, un État qui est présent, qui a les moyens de maintenir et de garantir l'ordre et la sécurité. Maintenant, lorsque nous sommes en présence d'un État failli tel que le nôtre, où en réalité les missions régaliennes de l'État, l'État, ça n'a pas qu'à arriver, remplir sa mission régalienne de l'État, et ou en présence d'une situation socio-économique vulnérable, côté pas gagné ma travail, côté pas gagné chômage, côté c'est chômage, côté moun yo pas qu'on lit, 80% moun pas qu'on lit, côté yon pile dans des bidonvilles. Mais, maintenant, écoutez, qui sont espèce situation ça, pral bail comme résultat? C'est normal.
condition yon réuni pour gang donné. Condition yon réuni pour gang. Pren jarret en dedans société. Maintenant, le phénomène de gang n'est pas propre à Haïti. Mais cependant, les pays tels que les pays européens, les pays occidentaux qui s'est offert, ils ont mis en place, ils donnent, ils baillent les moyens à l'État, à travers, pour l'État, ça, capable de prendre des mesures de sécurité publique, c'est-à-dire mettre en place la police, la justice, les fonctions régaliennes de l'État, l'armée pour combattre les crimes organisés en dedans pays occidentaux. Maintenant, pour qui raison nous va arriver à faire ça, en dedans pays d'Haïti? La raison qui va nous pas arriver à faire ça, c'est parce qu'en quelque sorte, il y a deux façons d'aborder la problématique de ganguérisation de la société haïtienne. Première façon, c'est, tout d'abord, c'est à moyen terme, ok, à court terme, à moyen terme, c'est de façon répressive. Façon répressive, c'est-à-dire, il faut faire appel aux forces de l'ordre, la police, l'armée, anti-gang, intelligentsia, ok, combiner les appareils répressifs, la justice, pour combattre le phénomène de ganguérisation en dedans pays d'Haïti. Maintenant, pour cela, il faut un État fort. Il faut un État qui a les moyens de sa politique. Faut qu'on l'État en quelque sorte qui a les ressources qu'il faut pour combattre le phénomène de gang. Ça de façon répressive. Ça on appelle à la répression. Maintenant ils ont leur façon aussi qu'on a adressé problème gang là. On a adressé problème là par la prévention. La prévention explique en quelque sorte à long terme. À long terme dans le sens que il y a à la fois moyen terme et long terme. Long terme à moyen terme, c'est-à-dire ou mettez en place des ou prendre des mesures sociales, c'est-à-dire ou mettez en place des activités. OK, pendant combattre gang, on mettez en place des activités d'intégration, des activités d'insertion pour les jeunes, activités culturelles, activités sociales pour jeunes yo capable et senti que yo fait partie de société haïtienne, non, yo pas marginalisé, yo pas livré à eux-mêmes, ou créer des centres de loisirs, des centres culturels pour jeunes yo capable jeune espace d'épanouissement, pour yo ka jeune activité pour yo faire au lieu que yo y a dans gang. À long terme mes chers amis, il faut penser à un nouvel, à un autre modèle de développement économique. Qui ça me le dit pas là? Maintenant, nous, nos sociétés, côté 95% richesse pays a concentré dans mes 5% monde. Milati au Libanais, c'est une dictature économique. Maintenant, il faut combattre cette dictature économique. Il faut combattre. Parce que, pour qui raison, j'ai dit, je travaille? C'est parce qu'il y a un manque d'investissement économique. Un groupe Milati au Libanais qui trimbe l'argent pays à Naméo, y'a pas investi dans l'économie pays à, pour y'a créé travail, pour y'a incité, permettre à jeunes garçons, jeunes femmes pour y'a jeune travail, parce que les jeunes n'ont fini faire rétro, fini faire philo, pays à pas offrir rien. C'est pas là le faire bouser, c'est pas là le faire massissi, les Allemands de travail. Parce que, en réalité, nous avons un groupe Milati au Libanais qui représente 5% de dans pays d'Haïti, qui kembe richesse pays à nan griffio. C'est celui-même qui gagne droit pour manger pour bret, et c'est une raison tout qu'il faut parler dans gang. C'est une raison pour qu'il faut parler petite Milat si au Libanais avec zam nan meyo, avec sapat nan pieyo, à tirer moun, à kidnapper moun. Parce que, en réalité, Milati au Libanais concentre richesse pays à nan meyo. Yo voye petit yo aller étudier dans grand pays, ba yo bon éducation et puis rentrer au pays, vin poursuivre avec même politique bananière, même politique criminelle que papa yo t'a fait, yo vin continuer avec, yo vin perpétuer. Maintenant, l'a touché point ça. Ou je n'en sais de grand goût. On sait de vicieux dans pays d'Haïti, nèg n'a tête grand goût vicieux qui toujours prend le contre-pied. Parce que yo jeune des trois os des trois grandes zones dans même Milati au Libanais. OK, yo ferme diol yo, ça va garder yo et bien vinn faire moun la morale. Non. Maintenant, je vais présenter ici une certaine vision globale de la société. On va pas dire combattre phénomène gang, non. Pendant ce temps, ou pas chercher comprendre pour qu'à combattre les vraies causes phénomène gang, non. Maintenant, les principaux responsables. On va banou exemple. Maintenant, il est facile pour nous convoquer le co-désir. Il est facile pour nous acculer les gangs. Mais lorsque les États-Unis et le Canada ont pris des sanctions contre des mulattes, des Syro-Libanais, des hommes politiques, qu'a fait l'État d'Haïti?
qu'a fait la justice? Où sont les soi-disant commissaires de gouvernement? N'est-ce pas avec le soud? Nous avons une justice qui fonctionnait en deux poids, deux mesures dans le pays d'Haïti. Et là, c'est une justice qui l'a pour seulement pour combattre oppresse. Ti pauvre, vous ne pouvez pas voir dans le pays à malheureuse, vous ne pouvez pas voir comme qui va pas parler. Mais même justice ça, quand il s'agit de gros autobres dans l'État, quand il s'agit de ministres qui étaient occupés poste dans l'État qui gagne l'argent, quand il s'agit de classe politique, de classe mulatte, de mulatte au Liban dans le pays à, justice ça fait même joli. Justice en bébé. La raison pour laquelle, c'est que les mulâtres, en réalité, les sirops libanais, ils prennent en otage l'État. Ils prennent en otage la justice. C'est eux qui mettaient au état-major la police. C'est eux qui mettaient, en quelque sorte, juge. C'est eux qui mettaient, gros inspecteurs en dedans la police. Mais comment vous voulez, pour les États-Unis, le Canada, t'as pointé du doigt pour dire que c'est mis la tessence au Libanais. Yo, et c'est politique en dedans pays d'Haïti. Yo responsable. Ok, yo responsable de l'activité gang en dedans pays. Et qui ça l'État haïtien fait? Nada. Maintenant, expliquez-moi comment tu veux-t-il que l'État haïtien, ok, malgré lui au courant des mesures que pays ça prend contre Mounzao, l'État haïtien fait gel. Comment l'État haïtien fait gel? Côté la justice, côté commissaire de gouvernement, yo. Ça va intéresser, yo. Et puis nous dit que, oh oui, n'a pas combattu gang. Comment on va combattre gang, non? Ce qui base, on va combattre gang. Comment on va combattre gang? Si grand pays, tant que les États-Unis, qui gagne intelligentsia, qui gagne CIA, qui gagne FBI, tant que le Canada, yo dou, mais qui est-ce qui a financé gang? Yo dou, mais, même Zotobre qui involve dans la question gang. Mais en honnête, ou pas qu'avine dit qu'on a journée aujourd'hui, peut-être, Louko Desi, ou bien si c'est, et y'a pas l'acculé. C'est quoi cette bêtise? C'est quoi cette histoire? Qui sont fait de nèg qui vraiment responsable, yo? Si monsieur y'a pas qu'à faire gang, non? Ça la sandal pied à terre, yo. C'est territoire où y'a protégé. Y'a protégé territoire pour des hommes politiques. Y'a protégé territoire pour des hommes politiques. Y'a protégé territoire, ok? Pour des activités, ok, des activités économiques et contrebandier qu'a fait en dedans pays d'Haïti. C'est pas moi de dire non. Dans le rapport présenté par le département d'État et Congrès américain, c'est pas moi qui dis. L'activité de gang en Haïti est lié avec les activités économiques de classe économique en dedans pays. C'est ça, on dit, oui. Yo dit, ce sont les acteurs économiques qui financent l'activité gang en dedans pays d'Haïti. Pour contrôle territoire, pour bataille, pour territoire. C'est pas moi qui dis le nom. C'est un rapport rédigé par les États-Unis. Département d'État américain. Comme si, nous le disons, l'État haïtien, pas la supposer Chita, prend rapport ça, Chita avec FBI, Chita avec CIA, pour travailler de concert avec eux, et puis pour mettre prendre des mesures, pour arrêter Vakabo ça. Qui ça fait l'État, ma fèle? C'est parce que, en réalité, l'État, ça, nous vient là, sont l'État pétionnier. Nous pas d'accord, hein? Nous pas d'accord. En réalité, l'État, ça, c'est l'État 1806. C'est l'État pétion qui est mis en place pour protéger les intérêts des mulattes. Et par extension, les intérêts des sirops libanais. À la fin des années 80. Nous pas d'accord, parce que nous c'est bluffé, nous y est. L'État, ça a pas gagné droit à un petit mulattes. L'État, ça, sont l'État qui l'a pour protéger les intérêts des mulattes. C'est pour ça que tu concevoir l'État, ça. Et pour protéger l'intérêt des mulattes, c'est au détriment des petits nègres, des green, mettez-vous dans prison. Dernièrement, on attend des camarades, comment ils s'appellent, nègres commencent à se rendre compte que, réalité économique, réalité, qu'on a bandé dans le pays, ils commencent à se rendre compte, c'est vrai lié. Yeah. Ou pas qu'à faire ou pas boire. Moi, je vais nous donner, et monsieur ça. Ou pas qu'à faire ou pas boire. Jodi, les réalités a commencé à attraper figure.
Ni commencer mettre griffe dans l'estomac ou. Ou pas faire ou pas boire non. Ou pas faire ou pas boire. M'a tendé faire dit non. Comment il s'appelle? Johnny Ferdinand, m'a tendé monsieur. Maintenant Gemundi estime que mais ou pas ka faire mes yeux sur réalité ça non. T'aime faire nous tendre et Johnny Ferdinand. Parce que faut entendre réalité. Allez, journée là dia nous commencer rendre nous compte. Nous pas faire trop coquin non, on pas en pile ba non, bot m'a fait nous tendre un petit cal la donne quand même. Donc économiquement, il était rentable pour pays à tout. Bon. Il mourit, oui. On l'a jeté à boire, c'est là. Mon dîner dépôt dans l'autre zone, avec Port-au-Prince qui vient, il y a problème insécurité, problème port, vous comprenez, gang qui peut-être occupé tout axe principal qui menait à ces rues de la unité. Il fait $17. Malgré ça, il fait comme il y a 100%. Et bien, si Régional a besoin de venir sur ma chaîne, bon fiche technique. Qui existait, qui dit Reginald Robertson, te fait telle commande. Et si m'ta dit matin là, que y'en débat comme ça, comme donné, qui concerne nos cellules de monde, quand faut cellules de grosses transactions dans le pays, y'en n'est que le secteur privé qui y a accès avec eux, nous avons dit, vous voulez monter. Et là, on y a accès avec eux, qui a décidé de faire ça, vous voulez. Parce qu'en Haïti, il y a une question de monopole, et monopole, ça, c'est un qui tue. Monopole là, tue. Des nègres qui connaissent que, je vous dis à la, c'est eux seuls qui seuls qu'on chante dans une série de secteurs de pays. Donc, après eux, c'est eux. Si c'est pas eux, personne d'autre. Hein? Nous commençons à être clair. La fait coquin. La fait décision. La brise sur nous. De waouh. Haïti n'a pas de décision. Nous vissons trop. Nous sommes le jeune garçon. Nous sommes le jeune femme. Qui accepte Alpha Business Panama. À l'Astra République Dominicaine. Quand font c'est le gros sacrifice. Prends pour y'a. La banque m'oblige de dire pour y'a, m'a amené les après. Gros escroc la banque. Et puis, quand bataille, sous 15, 20 ans, qui vient mon bel chiffre d'affaires, et puis, vous voulez rentrer dans l'autre secteur. On sait de l'autre secteur que personne n'a pas osé. Les messieurs dit monopole là. Et dictature économique, oui, il me le dit. Mais pas qu'à dire dictature. Je ne vais pas bougie, je ne vais pas voir qui est. Bon bougie, je vais vous commander, je vais essayer en aide ou bien en Turquie comme ça. Bon gros bourgeois, n'importe où presque, qui te connaît. Fait comment ça, qui te contrôle là, ça. Eh bien, l'elfine paye la douane. L'elfine paye tout ça, pour le payer. Bien entendu, si vous payez, appelez-le là, on a contre le bandeau. Si vous payez, l'elfine paye la douane. Gagnez deux seuls. Et presque 200-300% vous faites sur le COB. Vous mettez deux pour vous faire en Haïti. Il y a si Régine à Robertson comme si nèg noué. Avec dynamisme. Nèg noué. En connaissant nèg noué. Évolution qui vient dans le monde aujourd'hui, qui vient faire que contact vous faites plus rapide. Moi, j'ai contact compagnie en Nenza. Réginal, j'ai contact lui tout. Et puis, Réginal, cap travaille longtemps. Vous comprenez? Bon, si moi, même le pack après deux containers, trois containers, même genre avec Nenza, il prend deux mi-containers. Et bien, le Réginal, vous personne vini. Il paye la douane, il paye tout le bagaille. Il voit que baleine, il a 34 dollars unité. Il prend 17 dollars. Malgré ça, il fait comme l'IA, 100%. Et bien, si Réginal a besoin de venir sur ma chère, il pense que c'est trop. Il y a trop bien, ouais, ou? Ou mourir, mon cher? Ou mourir? Il y a des témoignages comme ça. All right. Il y a des gens qui font des commandes de marchandises qui pourrissent la douane. Parce qu'ils ont un blocage, ils ont demandé où l'argent, et qui viennent faire que même les autres dédouanent. Aucune façon de vous vendre une façon de vous tirer comme vous. Nous coquins trop. Si nous avons trois coquins, nous mettons trop. Ça n'a pas les jeudi. Et nous avons un problème pays. Mais nous fait coup. Logique de développement. Si nous avons des gens qui ont plusieurs catégories sociales, c'est certain. Vous connaissez bien. C'est Mulat au Libanais qui bloque le pays d'Haïti. Vous connaissez. Il a fait coquin. Pour une grosse masse population. Vous imaginez que mon millionnaire dans chaque département. Gardez, yo connaît. C'est Mulat. Mulat si au Libanais, yo représente seulement 5% des dans la société. Tout le monde net connaît. C'est eux-mêmes qui créaient qu'il a des pays dans l'enfer là. Everybody fucking know that.
tout le monde connaît. Mais yo tellement rusé et moi dis un bagage là. Si les noirs étaient tellement vicieux, tellement rusé, tellement volé, tellement affreux et ça on toujours un problème avec dans sud. Tout kako ou dans le pays d'Haïti. Milati au Libanais toujours à piller sur moun dans sud. Moun le grand sud. Le grand sud c'est côté de Haïti qui pi vicié qui te kagne sur la terre. Sous besoin ouais tchoul mi l'attendait dans pays d'Haïti nèg kap menti nèg nan tête grin kap manger kaka nan mouda mi lat nan mouda si au Libanais kap ramper tant kou chien font ti descendre dans le grand si. Révolution ta fait tendre dans pays d'Haïti déjà. Révolution ti nèg nan tête grin bossal ta fait tendre dans pays d'Haïti déjà. Mais nèg nan sud tellement grand goût tellement remé mi lat tellement remé crasse et yo préféré chaque coyon nèg nan grand nord vina on ide révolutionnaire vina on ide pour chambader pour combattre yo milat si au Libanais yo utiliser calambe nèg grand sud yo vicieux grand goût chien ça yo pour yo assassiner nèg qui sorti nan grand nord pour faire révolution et wa pour cette raison des salines te descendent dans le grand sud al pété mouda kalambe yo les rigots les mulat yo te bay pour rigoa te soulever nèg nan sud ti nèg grand gou nan sud yo rigots qui sont mulat prend contrôle le sud comme général li prend vicieux li promet ti nèg nan tête grain li promet ti nèg nan tête grain nan le grand sud li promet yo la baotite, et sa pétition te fait, oui, pour le manger des salines. Donc, tout levé dans le monde des salines. Dernier classe levé dans le monde des salines. Y'a aucun problème, l'homme a vérité, y'a aucun problème. Y'a aucun démangé, son dans le monde. Quand y'a pensé, y'a une bombe, y'a une vingt moins le grand sud, n'est grand sud comme un bagage. Qu'est-ce que tu fais, carrière? Dernier, nous va foutre traite. Dégilet. Et là, il y a une audace. Il y a une audace. Il y a une bat pour jouer game, pour penser si c'est là. Qui dégilet? Dégilet. N'est grand sud, pas traite. Dégilet, n'est grand sud. Pas de jambe. J'ai avec mille lacs, t'as toujours associé, oui, pour manger. N'est qu'à faire révolution, oui. Yo toujours yo toujours un petit job dans l'état. Ou nèg nan sud toujours un petit job dans l'état. Nèg nan sud toujours à bataille pour milat. Parce que depuis yo je non vieux milat et k'ap ba ou des goudes, yo senti yo à l'aise. M'bal ba nou exemple. Gardez la Tibonite pour. Dis combien milat dans la Tibonite nous qui grand dos k'ap ouvè nan guet li. Un exemple m'a ban. Qui est ce problème dit? Gardez plateau central. Dis-moi combien mille là. Si au Libanais dans plateau central, nous avons vu nous vers Moudali comme grand homme. Dans plateau central. Ah, c'est ma barou. Maintenant, voyez Joe dans le grand sud pour le caca. Voyez Joe dans le grand sud pour le caca. Regardez grand sud pour malpropreté. Faut gade, et, si c'est moi qui fais, faut pas courir la Tibonie. Et puis dis-moi combien de mille grandons si au Libanais, nous avons la Tibonie, qui fait politique. Qui besoin magistrat, qui besoin député, qui besoin sénateur, qui peut être à son fond passé. Et puis une bonne nouvelle. Faut arriver dans le plateau central. Allez, vérifier. Et puis, vine bonne nouvelle. Faut arriver dans le nord-ouest. Nord-est. Allez, vérifier. Come back to me. Vine bonne nouvelle. Et puis, l'offre-mi. Faut un coup de patte dans le grand sud. Et puis, vine bonne nouvelle pour le caca. Allez, faut un coup de patte dans le grand sud. C'est qu'on pas qu'on est l'histoire, n'est grand sud. C'est qu'on pas qu'on est l'histoire esclave, grand sud.
Tiens, on va qu'on a rien dans l'histoire pays d'Haïti. Pétion, la mulâtrie haïtienne. C'est sous esclave nèg grand sud yo t'ai appuyé le rigorisme et le pétionnisme pour yo t'ai contrecarré le grand nord. Pétion pas de pas gain le c'est comme dit nous bien. Pétion t'aime nous mulâtre yo connaît que deux groupes noirs qui gain dedans pays d'Haïti. Te m'explique nous bien. Mulat yo connaît bien gen deux groupes noirs en dedans pays d'Haïti. Gen un groupe noir Bossal Bourik. Bossal ça va dans caca, yo va acheter. Ou va ramener yo. Yo révolutionnaire. Ou jeune yo dans la Tibonite de Grand Nord c'est là. Mais il a tout si qu'on est un groupe bossal, un groupe nègre, dans le sud, dans le grand sud. Il n'y a pas besoin d'ouvrir la bouche, il y a un dit oui. Il y a un nègre dans le sud. Il n'y a pas besoin de dire qu'il y a un problème là. Pour y a un liché moun dans il y a un grand goût. Pour y a un tion l'autre nègre, pareil, pour faire il y a un plaisir. Et c'est ce que je dis là. Côté mentalité, ça se dit. Côté mentalité aliéné, ça se dit. Côté mentalité tchoul, milati au Libanais, ça se dit. Côté mentalité vicieux, ça se dit. C'est deux groupes noirs complètement différents. Et c'est ça qui fait toujours opposé. Nègre, sud, non, li traite, li planifie coup ou en cachette, la mordo, la soufflo, li passe des dos pour le préparer coup ou, et puis pour le porter, pour le frapper. Tenez, pour le voir vous. Il y a qui font caille pour le mettre. Maintenant, maintenant, le grand nord, la Tibonite, comme qui dit la tortille, Jovenel, Libéris, docteur Derivo, et de là, dans le sud, je sorti. Mais on va sortir dans le sud. D'ailleurs, c'est ça t'expliquer. L'homme Jovenel. Qui saute dans God, qui saute dans en roi. Qui saute comme un héros des arts. Qui saute pour des paix. Nodès, a fait de mouille. A fait de mouille. Ah, ou pas qu'à vin beau sale après, non? L'on vin beau sale. Faut beau sale. Depuis à la base, oui. C'est pas qu'on arrive dans le pouvoir pour le battre pour beau sale, non? Ou pas qu'à sortir, ou pas qu'à venir beau sale, l'arrivée dans la tête là, non? L'État est l'État pétion, oui. L'État pétion va dans le caca, non? De moi, faute là, dans nous, en dedans. C'est moi, la prétire beau sale, là, la caille, oui. Pas de menti là, dedans, non? Ou mettez beau sale dans le grand nord. De vous entrer en dedans l'État. C'est lui qui a doté, oui. Ou pas qu'a doté, non. Et l'État pétionné, oui. Et lui qui a doté, ou. L'Alde a doté, et ou qu'a perdu, oui. L'Alde a doté, c'est ou qu'a perdu. Ou qu'a des choix. Vous avez des choix. Et c'est ça que tu fais. Vous avez remarqué. Il va là même aussi pour femme dans le sud. Femme dans le sud. Anyway, comme si moi, nous devons avoir des choix. Femme dans la zone, la Tibonite, le Grand Nord. Et c'est Bouy qui est. Il va dans caca, il va lever pour ta lettre, il va dans rager, si c'est là, il va raffiner. Moi, femme dans le sud. Ah, mon chien. Femme dans le sud, pas dans caca. Femme dans le sud, partner, il y a mari, il y a foi, il y a cal. C'est mon qui remet un petit pouvoir, pour job l'état.
On ne suis pas dans cacao. On ne suis pas dans cacao. Ta mettre au chita en dedans kala là. Yo prend Marie a fait tourner bobot en dedans kala, crèque en dedans kala. Et puis y a connait avec toute gros autobré, sénateur, député, ministre, l'état, si là. Mais yo kembe foyer, c'est femme de foyer yo, belle radzou yo, c'est là mon mari, mon chéri, même bagarre là. Femme dans site. Là c'est bon. Non, si tu prends Marie en la mettre le chita, il travaille, il fout li dans kala là. Tant qu'on bobot, on qu'on crèque poil, côté le mettre le shit en dedans car là là, et puis la marcher là, la coin à gauche à droite, mais pas moins car là. Pas moins car là. Pas moins mari, c'est mon mari, mon ceci, mon cela. Parce que foyer, il va hypothéquer famille dans vous. Mais bobot li pour tout pays, bobot li pour tout gros autobré, bobot li pour tout l'état, bobot li pour tout gros crèque, bobot li pour tout parti. Mais Marie, en dedans Kayla, tant qu'on bobot, on crèque. Vous Marie a le chita. Il y a où nos machines maison la paye chat. Il met les chita. Et là, vous, je nous fomme dans le nord. On fomme dans le grand nord. Qui bon mari dans kay? C'est là, sous jeune ni, ou jeune ni minime. Ça qui gagne un cap qui me froid et aussi c'est là. Yo manqué raffiné dans sens ça. Non, va dans le sud là. Va prendre George. Yon bon pour société, yon bon pour famille. La nature et comme ça fonctionne, comme ça opère. Et ah, ben. Et ah, ben. Pas de mentir là-dedans. Et c'est une raison qui fait nègre dans le sud. Parfois, il y a une pipe madame, yo. Pour vider mon ate. Pour détruire mon. Nègre dans le sud n'a pas peur pour madame, ni li pipe, li, non? Non. Si vous avez un vieux poste. Non, il y a pas peur pimp madame, il y a pas peur laguer madame, yo. C'est là, yo connaît madame ne pas plaguer, pardon, pas quitter yo. Yo pimp madame, non. Al ba deux coups de bobot, ranger madame dans voye bay moun, pas menti là dedans. Et gogo j'ai m'abdou là. Ta pimp prend madame dans ka là. Yo wè situation économique là pas bon, bagay yo pas ka marcher, c'est là, y a prend madame dans et green bobot là traité, chéri, pas de problème, m'a fait manger, prend bobot là pour te l'aller. Pour nous jeune job là pour nous mettre manger dans cala et puis madame n'a pas de bobotte là dans société mon pas je me connais si c'est prostitution il y a des formes de prostitution déguisée c'est pepe yo pepe on a madame n'a pas dans boîte d'état ba un coup de coco un coup de zozo en directeur ba un coup de bobotte avec un sénateur ba un coup de bobotte avec un ministre on sait si c'est là ba un coup de crête avec un bagage et puis madame n'a jeune vieux job là pendant madame n'a fin jeune vieux job là qu'on y a le jeune marié et puis qu'on y a là pour parler avec madame n'a pral, madame ça encore pour parler avec directeur pour le prendre mari pour mari l'entrer en travail là c'est comme ça game n'y est et là game n'y est yo pep madame n'a ah, yo pep lui. Mais on va pas connaître si c'est prostitutionnier. Bah ouais madame n'a habillé bien frais dans l'état, la travaille dans l'état, mais c'est là la bagaille, li mettez belle rat sous lit, la gaille, son prostitution déguisée. Hein? Et puis là, ouais, c'est ça que fait toujours habillé pour séduire en quelque sorte. Directeur travail, directeur généraux, gros ministre, sénateur. Yo toujours habillé comme ça. Femme nan sid la, li met marié. Ti bout jip li pile bobot li, pile tete le pote nan bureau. Ça c'est normal, la chèche. J'ai marié l'an des ankaïla, et puis il gon bag nan men comme s'il marié. Fait caca. La caca société. La caca société, ya. Ou même la société, ya. Ou pas ou pas non! C'est prostitution purement déguisée. De quoi pour le cas mariage? Jeune mari, on vient de job. Et puis l'autre de à la tout. Lui-même encore Maria en dedans de travail là. L'infinitre madame non. Marie dans travail là. Lui-même à Marie encore. Marie en pral ranger madame non. En coup de bobot. Pour l'albaye directeur à coup de bobot. Pour foutre directeur ça en maladie, on attrape Ningo. Dans l'anguette li. Ou t'as des directeurs malades,
manger, Marie a rangé, manger, Vali. Et puis, directeur malade, directeur mouri, et vous sortez en déa, yo proposé, Marie a yo vin proposé pour Marie a vin. Vin directe. Et puis, j'entends Marie vin directe. Quand y a madame nan tourne madame directe. Maintenant, pas même qu'on comment vous faire arriver, madame directe. Ou pas qu'on s'il te get en pimp, si c'est prostitution déguisée. Yo entre. Moi, on a un groupe, nous m'étudions bien, oui, m'sur yo bien. Mais m'étudions, m'prends sans bon m'étudions comportement yo bien. Direct là bas qu'à travailler encore. Direct là, gardez au fond cette fanny hein. Yo bay direct la maladie ya. Direct là bas qu'à travailler. Madame a passé maintenant tête direct là. Pour direct la proposer. Ministre là, Maril. Pour ministre pour direct là, pour direct la malade là oui. Pour direct la proposer. Ministre là Maril comme moun qui pour remplacer l'a joué dans tête direct là l'a moun direct c'est oui et comme ça mais direct là pas fouti connait si c'est non attrape ni goal prend direct là pas fouti connait si c'est non si c'est non complot prend si c'est non piège li prend son société. Tellement suivre comment société a fonctionné. Son bagay qui grave, oui. Son bagay qui grave, oui. Mais comme ça tout, ou qui doit jouer nos nègres dans le sud? Ok? Ou qui doit jouer nos nègres dans le sud? Tenez, ou qui doit jouer nos nègres dans le sud qui pibo ça parce qu'on est dans non, non, non. Ou qui doit jouer nos femmes dans le sud, tout qui pibo ça parce qu'on femme. On femme non? Tu vas essayer, Bab, dis-nous là. Sous jeune homme dans le sud. Qui c'est l'exception de la règle? Moi, je vais mettre faire sa confiance, mon ange. Sous jeune homme dans le sud. Ou pas jeune homme pile. Parce que c'est l'exception, c'est pas la règle. Tu y a nos femmes dans le sud qui respectent tête li, c'est l'exception, c'est pas la règle. Ah, je nos bonnes femmes qui là avoir à passer timiser avoir faire chicher mais avoir faire ou avoir, sous bien comprendre bien. Yo loyal à madame à Mario. Femme dans le sud mari, ouais, loyal à Mario. Yo bon nègre là, yo était avec elle. Tout ça ou la fait là, c'est parce que loyal, il besoin foyer, il fonctionne, il besoin mari, il besoin famille, il fonctionne. Et moun ki kè pour mari, pour kè pour foyer, pour paix, pour bagali, parce que c'est comme ça, il y a fait pas faire coup de bobot, il pas fait paix, coup de prend coin, parce que en réalité, c'est, non, mari, c'est, depuis ça aller dans le sens, pour protéger, pour kèbe foyer, la femme, il pas de problème avec lui. Il loyal, c'est ça. C'est ça que fait. Ou après, c'est femme non, grand non, qui pi marginel, n'a qu'un bel garçon. Femme non, pas gué, femme la tibonite, plateau central, le grand non, yo pas gué qualité femme non sud, pour yo qu'un bon garçon n'a qu'aï. Yo tellement bourré, mal élevé, t'es là, pour t'es bourré, yo toujours grand prêt, yo toujours prêt pour lever jupon, yo dans tête, yo, m'en dérager, yo, oui, m'ka vivre pour compte, mais ça te comprend, nous, yé, oui, c'est là, ou m'est allé, m'a besoin, ou m'a dit, m'a gagné un nègre, fait caca, comme ça, oui, femme dans des grands noms. En vent, yo, estera, en général, oui, ça c'est règle, là, oui, en vent, si bagay, yo, getan, estera, yo, senti, yo, jeune plus fierté, pour compte, yo, les appeler, petite, pour compte, yo, sans pas, papa, yo senti yo jeune plus fierté pour yo dire oui c'est femme, c'est nous même qui fait tout travail là pour contre nous, c'est nous même c'est si yo campon Jean parce que comme si yo travail dur, c'est la fait yo pral et les appétit que petite ça, les appétit dit que petite garçon, yo dit que petit garçon dit
Ti garçon levé dit, ouais ti garçon parce que oh oui, c'est moi de fort et moi de maman, c'est moi de papa, c'est moi de toutou, c'est moi de fort, c'est moi de ceci, c'est moi de cela et comme ça. Ouais, c'est moi qui a fait toute bagaille. Connais papa, papa va là, papa qui t'aime beaucoup de moi, papa ceci, papa c'est marcher la marcher grenée petite, papa c'est tout partout, papa papa papa, papa ceci c'est là haut, papa à gauche, papa à droite. Et moi même qui toute bagaille là, et moi même savon c'est moi, gloa c'est moi, digoa c'est moi, huile là c'est moi, manger là c'est moi. Et bien, on sente comment on a fait, et bouger ma marcher faire mon boîte là, côte papa. Mais femme non, si tu n'as pas comme ça. Les obés, les joues par les obés, mais femme non, non, femme grande, non, besoin qui est bon. Premier réflexion, c'est à la magie. Premier réflexe, femme non, non, c'est à la magie. Y'a le mari, garçon, la magie. Femme non, non, femme la tibonite. Femme la tibonite. Femme plateau central. Femme grande, non, même. Premier réflexion, c'est magie. Oh, vous avez l'impression d'avoir entré dans la cour, ça pour venir faire sauver. Qui compte comprendre, vous avez entré là. Vous avez entré pour venir ouvrir mon dos. Les maps foutent mettre au chita. Monsieur son fréquentier. Et comme ça, ça fait bon cocon et tout. Majorité femmes dans les grands, bon cocon et dernier crasse. Pifo là, dans le bon cocon et pifo. C'est ça que fait, vous avez mes bon cocon. Yo reme danser sans poil, yo reme danser lougaou, yo kay bo kon matin midi soir, et fom bo kon yo. Yam bo kon yo. Mais fom nan sud. Très catholique. Fom nan sud, c'est fom très catholique. Le dimanche pour aller prendre la messe yo, habillé ti bijou nan kou yo. Oh oui, c'est la famille fom nan sud. On a su c'est toujours bon. Oh le dimanche, y aurait mes sociétés. On a su c'est bête mes sociétés. Faut société. Oh, le dimanche, il faut aller à la messe. Le dimanche, c'est le dimanche pour y a cuit bon poule pour Mario. Oh, le dimanche c'est le jour de la famille. Oui. Femme dans le sud, aïe, y'a pas le cuit poule, gardez c'est pour faire manger moi et Marie. Même la game bonne, en dedans de cas là, le dimanche, y'a gagné des fois, y'a été c'est pour faire manger pour Maria. Y'a, oh, pour la prendre. Même là, madame, y'a pas obligé, à monnaie tes bonnes, pour qui raison y'a monnaie tes bonnes, non? Pour qui raison y'a monnaie tes bonnes, non? Comment? Pour y'a dit maintenant, vous comprenez? Et, c'est qu'on s'abat yoye. C'est qu'on s'abat yoye. Alright? Je vais faire comme ça, oui, et puis s'entendre à la tour, lever bagaille, c'est si c'est là, petit bout de jupe, petit bout de rade, petit pantalette, c'est si c'est là, dans le caille là, fin baigner là, papa, dimanche ça, c'est dimanche, la famille, c'est, Marie en sorti là, les Marie a tourné, faut venir jeune cala bien frais, gaille, pile bobot, madame, nan, et guette prêt pour monsieur, petit bagaille, chérie, bye. Et va m'en suivre. Mais la famille, les enfants ceci, les enfants cela, français, toujours qu'on folie par les français, oh oui chérie, tu sais, oh oui, monsieur, oui mon amour, ouais, pas les français, appétit, yo, mon nom, femme, toujours qu'on folie français, aliéné, zizi, yo tout, gardez, ou mettre femme dans l'aide, li toujours qu'on folie, qu'on lit, en folie intellectuelle, li parle français, al gade vous, ouais, mouvement féministe, mouvement grand limé na folie intellectuelle là, et non, dans cette libre, j'arrête. Écoutez, mon Mon la tibonite, pas dans social avant. Papa, société règle, on met bouillot, même. C'est bon, ça y est. Mais mon nom, si tu sais, écoute, je t'aime, je le lui, cela, je vous adore, boubou, chouchou, coucou, boubou. Même qu'on est. Mais si on sou on est dans le sud, en femme dans le sud, avec ou avec. Ça qui est bon, on essaie, si on ne dit pas tout, non. La majorité dans la retraite, majorité dans le sud. Mais l'on jouen yon grande femme. Non si. Qui a vou? Kone la vou? Et pas se m'dou la. On
Femme nan si tse bête ki pi. Femme nan si tse bête ki pi. Trap ki te gage sou la tête. Femme nan si doué la. Et bête ki pi trap ki te gage sou la tête. Bonjour à la vérité. Mais l'on joun yon. Ki avo. Moi j'ai li avo. Si le rien li avo ou li avo. Mais moi qui veux. Depuis on entre dans un bagage pour vinn prendre. Femme dans sud, yo vinn d'air pour porter ba Mario, yo vinn d'air pour porter ba petit yo, yo vinn d'air pour porter ba ceci, yo prêt pour faire n'importe bagage pour porter ba. Et comme ça oui. Quand yo pas jouer intérêt yo dans ba là, yo courir retirer. Ça fait mal propre dans sud ça, yo pas une conviction. Il a fait mille actes sur au Liban, yo connaît yo bien. Yo a une conviction. Tout ça depuis yo pas jouer intérêt yo dans bagage. Depuis c'est cause qui juste qui noble, bagaille conviction. Nope, yo pas là-dedans. Faut jouer intérêt yo. Depuis pas jouer intérêt yo voilà. Yo pas compte avoir les causes, yo pas compte avoir les nobles, yo pas compte avoir les bagages yo cause juste. Non, pas compte bullshit ka. Et là bobot yo cap mené. Majorité là-dedans. Et yo je ne sais si, yo je ne sais là, yo une classe, yo je ne zo pour venir prendre une porte. Depuis yo pas jouer, boup yo retire quoi. Hmm? Yo a jouer. Depuis on va je ne sais yo t'es là chercher chercher encore ouais chercher ouais chercher toujours chercher vous et pas nous avoir les convictions du tout pas mais là je n'y en qui des convictions sont l'autre bagaille sont l'autre monde là je n'y en qui des convictions c'est gros causé. Moi remercie nous, moi salue nous, son plaisir vous me dire avec nous. Passez bonne soirée, bonne journée. À très bientôt. Ciao.